Bon Nathan, ouais. Nicali, vous étiez venu là pour ça, pas pour autre chose, c'est fait. C'est fait avec la manière, on a respecté l'adversaire. On a su mettre de l'intensité en première mi-temps, moi en deuxième mi-temps. C'est un peu relâché, mais la victoire, c'est l'important. Ouais, comment on t'explique justement que ce match n'était pas si simple que ça, le match de coupe typique quoi. Exactement, une équipe amateur qui avait de l'envie, toujours beaucoup d'envie, les clubs amateurs dans cette compétition. Donc effectivement, mettre l'intensité, c'était le mot qu'il fallait faire pour dominer ce match. Marquer tôt aussi, c'était Exactement. Important. Le but de Kouadjou nous fait extrêmement du bien à la 9e minute, qui nous permet de garder la tête sur le match. Le fait de voir tous ces pitchouns aussi sur le terrain, j'imagine que c'est particulier quand on en fait partie de ce groupe-là. Vous n'avez pas forcément beaucoup de temps de jeu tout au long de la saison en Ligue 2. Comment on ressent ça? Exactement. La Coupe de France, c'est un moyen pour nous de s'exprimer, de gagner en expérience. Et sur mon but, c'est Janis qui me fait la passe, c'est notre pitchoun. Là, il y a deux jeunes autres pitchouns qui viennent du centre qui jouent. Donc ça fait, ouais, c'est une fierté pour le club, totalement. Comment tu le vis, toi, justement, le fait de jouer ce parcours en Coupe de France? Ça fait 3 tours de passé. Qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif? L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, toujours. Là, on va arriver en 8e. Pourquoi pas tomber contre une grosse équipe et pouvoir se donner à fond, ouais, en Coupe, c'est toujours important. Ouais. Tu sens que le coach vous fait confiance aussi, vous, tous les jeunes, là, parce que ça, il y avait gros turnover encore ce week-end. Totalement. Il a confiance en nous, puisque ça fait déjà 3 matchs qui nous fait jouer en Coupe de France, parce qu'il a confiance en nous et c'est bon pour la suite. Ouais. Toi, t'as un tirage que t'aimerais pour le prochain tour particulier, taper une grosse Ligue 1 ou un petit pour aller le plus loin possible? Honnêtement, moi, j'ai pas de particulier. Bon, si un peu, j'aimerais tomber contre une grosse Ligue 1, pouvoir prendre du plaisir énormément, pouvoir jouer contre des stars, tout ça fait plaisir.